les planètes sont alignées. Allez, on y croit. Que le sol vous engloutisse. Ça marche pas. Mire ah, ah. Attends, j'ai raté une fois. Non, c'est moi qui rate. On essaye encore. On spamme le renversement. Tant que j'ai de l'espoir. Voilà, les tirs, très bien. Alors bon, le 6 par contre, je ne sais pas parce que c'était nul. Le décès, c'est normal. Tout est normal, tout est calculé. J'y crois à mort. Ben voilà, il y a un 9 qui passe. Hein, donc. Oh putain! Oh putain, vite! Oh vite! 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 Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh vite! Oh oui, ça. Alors ça c'était beau. Je sais pas si le drop a été lâché, mais j'ai pas envie d'aller voir. Je ne sais pas. Mais ça a marché. Il en reste un. Il en reste un, les mecs. Donc là, j'y crois à mort. Il en reste un. Alors, je vérifie juste. Non, je pense que bon, les drops sont aléatoires. Alors là, renversement. Raté. Il a un peu blessé. J'essaie quand même de le mettre sur dans un statut qui peut être à mon avantage. Bah déjà quand j'en bats un, c'est plus facile. Allez, au moins lui caser un renversement. Si possible. Ça rate. Ça rate, me met double dégâts, double coup. On continue, on y croit. Bon là ça va être le décès je pense au bout d'un moment. Allez. Voilà le décès. Le décès décédant. Bon, attaque normale, 0, génial. Comment c'est vérifié? Non mais il me met 3 coups avant que je mette renversement. Alors 2 coups je veux bien parce qu'entité magique, mais 3 coups non. Foutre de la gueule le jeu. Si je fais une parade. Ça sert à rien, d'accord, ouais. Voilà, c'est mon pirate. Toujours. 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 C'est le PV, que je n'ai plus. C'était le combat du dernier PV. Que le spectacle commence. Ça ne sert à rien, moment. Attendez, les clics souris. C'est normal, c'est. Oh oui, oh oui, allez vas-y, ah, tu lui pètes ses dents, allez, sérieusement, putain,
je cale le renversement. Ah bah je le rate, hein, parce qu'il est par terre. Ah lol. Non, le pourcentage de chance de réussite est faible. Inexistant. Ah, en dessous du 1%, je suis sûr. Oh oui, oh oui, oh oui, allez vas-y. Non, non, allez, 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 allez. Oh bah voilà, il y a un indice qui est passé, il est blessé maintenant. Il y a eu un mine, il y a du mieux. Bon maintenant je vais me soigner. Oh il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Ça c'est la lenteur, la lenteur. Si je passe une heure sur ce combat, ça va être lourd. Et j'ai pas envie de passer une heure sur ce combat, j'ai pas envie que ça vous emmerde. Ah, il y a une entité qui m'a appelé, j'ai l'impression. Voilà, mais déjà, les coups comme ça sur un ennemi humain, ça devrait passer. Mais sur les entités magiques, ça ne passe pas. Ou alors ça passe, mais c'est autant de chance que de foutre un renversement sur une armure. Allez! Utilisons une autre méthode. Pause. Mon sac. Ah voilà, j'ai des sorts ici, donc parfait. Voyons voir, est-ce que j'ai un sort utile? Et bon, on va utiliser un sort. Wouh ! 4 ! Mia ! Je vais réessayer le coup des sorts. Parce que c'est un tricks et que j'aurais dû le faire avant. Allez, repose-toi, repose-toi, repose-toi. Ouvrir mon sac. Ouvrir, allez. S'il te plaît, le jeu, allô. Ah, je ne peux pas l'ouvrir parce que je suis au repos, hein, trop de RP, t'as vu. Donc, tac, rayon d'énergie négatif. Essayer sur l'armure. Hein, ah, je lis le sort et je lui fais 3.
sérieux. Ouh, oh, le 8 qui est sorti du tréfonds de mon fion. Attends. On va réessayer, on va user tous les sorts. Je vais le finir au sort. Je vais le finir à la magie. On essaye. Bon. Allez, descendez. Vous le méritez. Oups. Non, cours. Attends, c'était ça la strat de... La strat de merde. Utiliser des sorts. Bon, moi, ça me fait de la place. Du coup... ah oui, merde, il y a trop de ça qu'il faut que je... Oula, le jeu, qu'est-ce que... Oula, oui, ah d'accord, oui, non, le jeu avait freeze parce que, oh là là, les sacs, je ne comprends pas, il y a deux fois le même sac. Ça veut dire que c'était le sac. Allez, agonisant, s'il te plaît. Voilà, youhou! 4 heures plus tard, les armures sont décédées dans leur chiasse. Et c'est cool! Du coup, la quick save. On enregistre. Alors, oui. Alors, c'est un faux titre ce que j'ai mis. Du coup, ça, c'est bon. On va enfin s'attaquer au reste de cet étage. Ça, c'était la lenteur, mais je pense que je vais tout vous laisser parce que je suis un énorme sadique et que j'aime ça. Attention, 4 ici, c'est une salle qui mène vers une entrée latérale. Non, on ferme pas la porte. Alors, entrée latérale déjà, je pense que je vais y aller. Alors, il y a une autre porte, hop. Ouais, en fait c'est une putain de grange ici, donc c'est bon, je suis tranquille, il n'y a personne. Ah, peut-être que dans cette salle, là je dirais bien un long couloir ou une chambre. Une salle avec des prêtres, ouh, il y a du squelette. Il y a du spooky scary squelette. Il y a du prêtre. Il y a du squelette. Il y a du squelette qui est décédé normalement là. Voilà. Que le sol vous engloutisse. Allez, plus vite. Bah voilà, vous voyez ça, du petit farm. Petit farm tout mignon. Déjà, on voit que c'est beaucoup, beaucoup plus simple que ces conneries d'armure. Non, reviens, attaque. Enfin, voilà. Donc ça c'est fait. On prend les 10 pièces d'or pourries. Pas que c'est de l'argent. Fric égale pognon, n'est-ce pas? Bon, je crois que j'entends un autre, mais allons-y. Allons-y gaiement. Ah, il manque rien, il manque moins de 700 d'XP pour le prochain level up. Et disons qu'un level up, là, je pense que ce serait pas mal. Ouh, anneau d'argent. Ouh, ça c'est beau. Ouh, je veux. Non, dégage. Oh oui. Ah, mais j'ai encore de la place pour un anneau. Allez, superbe anneau d'argent. Magnifiquement acheté dans une... magnifiquement volé même, hein. Il faut oser le dire. Un méchant, ça c'est sûr, il était méchant. C'était un méchant pas beau, pas gentil. Mais oui, il faut le dire. Voilà, la même. Oh non, une lame en peine. Alors, lame en peine, je me permets de la tuer en premier parce que l'entité magique.
10 direct. 13. On dit que c'est magique, mais dans rien du tout. Alors, hop, on avance. Allez, on va attaquer. C'est bien. On en peine, on laisse sur le plein droit. Bon, là, ça tue du spooky scar et squeleton. Mia! Ça c'est fait. Des pièces d'or, des pièces d'or. Et là, qu'est-ce qu'on a? Pas toujours. Un potion de soin important. Ah, je veux. C'est super important. Bon, on va voir vite fait la porte latérale ici. Cours. Ah ouais, il y avait une porte. Bon, bah porte quasiment inutile. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Allez, play vite, play vite, play vite, play vite, play vite, play vite. On y croit, on y croit, on y croit, play vite. Allez, 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 bouge ton fion. Ça, pourquoi j'appuie sur F? F, ce qui ne sert à rien. C'était sur G que je voulais appuyer là, c'est libre rapide. Bon. Oh, il y a deux salles là. Alors, il y a quoi? Il y a un hôtel. Il y a quelqu'un. Je vais lui parler. Je cours. Oh, oh bordel. Oh. Ouais. Dans les tuiles, dans les tuiles, au sud, un grimoire, terminé, c'est en lui. Ok. Alors attends, je vérifie l'hôtel. Ah putain, mais mec, tu me serais un allié? Attendez, J, un pacte avec le diable. Il se tient là, immobile, fier de sa malice, et patient comme s'il avait tout le temps devant lui. Gagnon du néant, tel est le nom qu'il se donne. Apparemment, les faux à droite. Il y a besoin de quelqu'un, et je cherche un grimoire noir. Fond de... Ah, je sais pas. Mais franchement, si il me paye, tranquille, mais si... Et là c'est super intéressant. Si j'arrive à l'avoir en tant que compagnon, d'armes, alors là, ça va péter. Mémoire noire, on va le lire. Cet ancien manuscrit est froid au toucher. Ok. J'espère ne pas faire de conneries quand même. On y va. J'espère pas faire de conneries. Mène à bien le rituel. Waouh! Putain, t'es un peu stylé quand même. Oh merde. Ah oui, mon petit ami, il bouge. Oh! Oh, qu'est-ce que je peux... Alors, Oh putain, une cape magique, une double chance orcelée. Ou... de la puissance pendant un certain temps. Très franchement, c'est... Je prends l'arme. Putain, mec. Putain, j'ai gagné de l'XP. Je vais juste voir ce que c'est. Oh putain, il faut que j'identifie. Ouh, stylé. Ah, je peux pas identifier. Merde. Quoique... Ah, attendez, je vais recharger, je vais prendre la cape. Si je prends la cape magique, ouais, c'était celle-là. Normalement, j'ai fait une sauvegarde rapide, donc je retourne face au démon, donc là. Donc, je mets la bien rituel. Là, oui, là, oui.
Alors je veux l'objet magique. Voilà. Adieu. Et en plus, cet objet magique, si je veux encore l'examiner, ça va me faire chier. Putain, il faut que je l'examine. Examiner. Bon, bah je la garde. La double hache, je suis pas sûr qu'elle vaille mon épée. Parce que 2d6 avec un critique 19, 20 x 2. Bon, bah je... Attendez, j'ai pas une potion de savoir de mes fesses. Une potion de la sagesse de quelque chose. Sagesse du hibou. Alors... je permets de... Tu nommes ça retard, plus résistant... Ah, potion du savoir. Alors, on va l'utiliser. Parce que ça utilise ma compétence savoir. Je peux pas l'utiliser. Attendez, si je fais F4. Voilà. Donc là, techniquement, j'ai une compétence augmentée, à savoir le savoir. Donc, je devrais être capable de connaître. Voilà. Numéro qui dit pour liberté de mouvement. Ah, je me suis fait douiller. Ah, ah c'est drôle. Quicks. Ok. On va y aller bourrin. On va y aller de bourrin, on va prendre la puissance. Alors à quoi il ressemble quand il est pas fini? Mener à bien rituel. Bon, c'est pas grave. Donc y a-t-il une récompense, blablabla. Je veux une partie de ta puissance, bordel de merde. Ouh putain. Oh putain, alors vite, 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 on va défourailler du mob. Là, je pense que c'était ça la technique. Putain, point de vie en plus, je suis à 120 sur 80. Ça va chier. Putain, mes stats. Oh putain, j'ai des stats pétés. Oh, j'ai des stats tellement pétés. Oh, ça va être quelque chose. Ah, faut que je fasse vite par contre. Putain, il y a un canard. Oh, puis je m'en fous. Eh vas-y, j'en ai rien à foutre. À ma colère. Oh, vas-y, j'en ai rien. Putain, mais ça va rien. Ah, ça va me faire chier, ça. Si, normalement, si je tue le... Celui qui a lancé le même mourir. Putain, mais je prends autant de dommages. Je prends tellement pas de dommages, mec. Ah, putain, c'est énorme. Oh, en plus avec le level up qui va sans doute bientôt arriver. Allez mais décède. Goûtez à ma colère. Même le sang de vie, ça change rien. Ah le sang de vie il change pas grand chose. Ah c'est dommage parce que là le gain de puissance que je viens d'avoir. C'est. Mais c'est pété. Allez. Allez, faut au moins que j'en tue un. Ah mais j'ai... What? Putain c'est une blague là. Ah ok le jeu il a décidé de me faire un des doigts. Bon bah là il faut se barrer. Là il faut se barrer mon grand. Mais casse-toi bordel de merde. Putain bordel de nom de dieu potion. Goûtez à ma colère. Voilà, allez plus, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, voilà. Cours, cours, cours. Là, cours à gauche, cours à gauche. Que le sol vous engloutisse. T'es sérieux, mec? Putain, j'ai pas profité de la puissance pendant le temps que je voulais. T'es lourd, mec. Non, lui, tu le tues déjà. Là, tu cours. Voilà. Tu bouges plus. Là c'est les zombies.
Allez, faut moins que je les level up. Voilà. Oh putain, il reste plus rien. Il reste plus rien. Moins de 100 d'XP. Deux combats contre deux mobs. Bon. Une chance que j'ai pas le temps de réanimer les cadavres là. Bon, je vais fouiller. Le chargement. Oh putain, par contre, un drone. Non, je me suis pris chier. J'ai pris cher dans mes dents. J'ai pris tellement cher, ça fait mal. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, allez. Bon, ils sont là-bas, normalement, ils vont pas bouger. Le... Il y en a deux, trois, ouais, il faut... Non, le agonisant, ça peut encore passer. Voilà. Tant qu'il se ramène, je pense que j'aurai le temps de le tuer lui. Ok, là maintenant on tue la gueule. Je pense que après cela, je calcule, oui c'est bon. C'était les deux derniers, et là tu es le dernier mec, tu es mon level up. Tu es celui qui va me faire level up. Allez, après je suis un peu sur ce level up. Allez, plus vite, allez, patapute, mec. Patapute, allez, il te reste quoi hein. Et bam, montée de niveau. Bonus d'XP. Alors ensuite, donc, on va prendre le roublard, donc, ma classe. J'ai 8 points, très bien, bon, ce qui va me faire la même chose. La discrétion. Alors, je vais mettre un point dans, dans le savoir, toujours, déplacement silencieux, crochetage. Alors, toujours dans les mêmes catégories. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre un point. Alors discipline, ça a quoi j'ai tous les dons qui permet au personnage de résister. Alors je vais mettre un point dedans parce que ça peut être utile. Putain, un point qui coûte 2 quand même. Perception auditive. Créature, non, savoir. Alors parade. Alors je vais mettre un point. C'est parce que ça peut être intéressant. La persuasion. Alors la fouille. La fouille. Pas pour l'instant. Créature cachée. Provoquer un limite sur les objets magiques. Non. Je pense que je vais remettre un point dans la parade. Parade. Empathie avec les animaux. Ah, je peux pas mettre. Parade, ouais. Je remets un point dans la parade. Ok. Oh oui. Oh oui. Ah ouais. Ah ouais ouais, j'ai droit à un nouveau don. Oh putain, alors ambidextrie. Alors attends. Nécessite pour nécessaire pour science du combat. J'ai plus 15 de deck. Alors fonctionne combattant avec deux armes. Ok, donc je n'ai pas deux armes. Armes de prédilection. Votre secret de combat, deux armes. Pour ajuster. Esquive. Ah ça, ça peut être intéressant. Nécessite souplesse du cerf. Pour fonctionner le personnage, gagne un bonus d'esquive de plus 1 à l'armure. Volonté de faire, c'est quoi ça? La force, la forte présence d'esprit du personnage confère un bonus de plus de tous ses jets de volonté. Non, volonté, vigueur surhumaine, vigueur, non, tiers bon portant, talent, ça c'est quoi? Le personnage maîtrise selon une partie du calendrier avec une compétence donnée, il gagne un bonus de plus 3 tous les jets le concernant. Ok, sens du combat, maintenu, réflexe surhumain, de réflexion, robustesse. Je maîtrise en ce nom, je reste en camarade et il gagne un point de vie de plus par niveau. Ah, les points de vie sont rétroactifs. Ah, je sais pas. Port d'armure intermédiaire. Alors. Automatique, toutes les classes sauf. On se donne gratuitement. Ça veut dire que je peux le mettre? Non, ça veut dire on va te faire foutre.
Ça veut dire va te faire foutre. Merde, panda, maniement de bouclier, maintien des armes simples. Maniement des armes simples. L'esquive, franchement, ça pourrait être cool. Parce que ça pourrait être bien co-ajusté. Permet de porter une attaque potentiellement handicapante au bras et aux jambes de l'adversaire et co-ajuster en effectif une P4 supérieure au test de l'esquive. Ah là 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 là, la botte secrète, qu'est-ce que c'est? Possédant ce don, utiliser une armure avec efficacité, précision, j'ai pas du tout une arme légère, attaque en puissance à personnage. Bon, des attaques puissantes mais peu élégantes. Quand l'attaque en puissance est sectionnée, il donne un bonus plus 5 au jet de dégâts au prix de moins 5 sur les chutes d'attaque. Ah pfff. Alors, Rocky pour spécialité, martial, guerrier uniquement, ok. Je vais prendre l'esquive parce que je pense en avoir besoin. Alors, plus 8, discrétion plus 1. Esquive, ouais. Bien, bon. Asquare, Rastas à la côte, on va y aller, puis je ferai la pause. Pour moi, parce que j'en ai besoin. Du coup, je suis à combien? Je suis à 72 points d'XP et le prochain est dans 9000 points, donc on se retrouvera dans 2 ans avant la montée d'expérience. Je pense que dans 2 ans ce sera ça. À moins bien sûr qu'un énorme boss à 1000 d'XP ou un 500 se présente. Et dans ce cas là je n'ai pas non. Oh. Escalier vers le haut. Oh, punaise. Ouais, je pense que ça c'est la dernière salle avant de l'escalier vers le bas, je pense savoir où ça mène. Ça doit mener vers la grotte où j'étais avant. Là mon peine en premier. Allez. Là non, faut que je tue dans celui-là. Voilà. Et ensuite c'est que le squelette. C'est le squelette, c'est pas super important. Du coup on va voir si je peux utiliser. C'est lent dans son renversement. Renversement qui rate à chaque fois. Bah j'ai. Non mais c'est cool les mecs. Hein. C'est l'esquive que j'ai en bonus. Oui, c'est ça. C'est quoi ça? C'est mon. C'est un magicien. Oui, là c'est. Ok. Voilà, ça c'est fait. Allez. Allez, décède. Allez, on y croit. J'y crois à mort, perso. Voilà. Donc là, déjà, un peu d'XP. Après, là, super bon niveau. Poisson d'engrance. Je prends. Là, il y a une petite cache ou un truc qui... Une âme en peine, ok. J'espère qu'il y a juste une seule âme en peine, parce que sinon, c'est pas cool. A priori, c'est le cas. Il y a une porte. Merde, le magicien que j'ai pas vu. Bon, la montagne, le décès. Bon, petit sort de ralentissement sur la zone. La montagne est morte. Goûtez à ma colère! T'es dégagé. C'est tout ce qui est apparition. D'accord. C'était le fast kill d'un mob. Et là, il y a quoi? Un faux fidèle. Et là c'était 28. Attends, tu rigoles, net. C'est un passage secret, n'est-ce pas? Toi tu vas peut-être me donner d'XP. Ça, là moi je le sens bien. Je sens que t'es gentil toi. Je sais pas, je sens un petit 100. Minimum 50, mais moi je dirais 100. Ouais, là tu vois, peut-être tu meurs pas. Voilà, critique. Ouais, moi je dis. 100 d'XP. Alors, on va désamorcer le piège. Putain, mais même pas de drop. Sérieusement. Livre de Home. What? Malgré ces thèmes, son volume particulier peut sembler nuire à l'étrange. Je révèle des méthodes par lesquelles on pourrait ramener l'esprit guerrier du fort de Home. Sinon, t'es malfaisant de le chasser, bien qu'il faille d'abord bannir cette souillure d'une autre façon. La simple position super. Ce galop permettrait à son envoyé d'utiliser un noté quoi. Eh ben les mecs, moi je suis chaud pour retenter une petite invocation. Hein, je vous le dis.
On retente la vocation. On va dire. Alors, je crois savoir comment ce est ce bâtiment. Il y a la grotte qui est un sous-sol. Quand ensuite on monte l'escalier qui nous amène ici et donc au-dessus, normalement, je dis bien normalement, on doit arriver sur le second étage, le final stage de cette map. Et puis on est bon. Je pense que peut-être après le chapitre 1, je ferai une lecture de tous les livres avec l'intonation et tout. Ce sera un petit truc bonus. Ça me fera plaisir. Et puis je pense que ce sera intéressant. C'est l'hôtel avec. Ah merde. Ah zut, bon tant pis. Bah allez, on va se mettre sur l'escalier du bas. Je coupe l'enregistrement, cette deuxième partie d'enregistrement déjà. Où il y aura eu quelques coupures au début, qui aura été extrêmement lente. Parce que voilà. Parce que une demi-heure combat d'armure, on va pas se le cacher, c'était super chiant. Mais on a eu la montée de niveau et ça c'est déjà bien. Non, c'était le chemin à droite. C'était à droite, donc paf devant la porte. Petite save, alors vrai save. Hop, sur la quick save, sur le chapitre 1. Et sur l'autre, voilà. Bien, donc du coup, là, petite pause, je vous retrouve dans 2 secondes, mais pour moi ce sera dans 5 petites minutes. A tout de suite.